Alors, bonjour, bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Voilà, permettez. Il faut que ça apparaisse. Bien. Et oui, chers compatriotes, comme vous pouvez le voir, ça, c'est la marche de soutien pour Constant Mutamba, pour protester contre l'empoisonnement du ministre de la Justice qui cherchait à mettre de l'ordre dans la justice et qui a réussi à réaliser beaucoup de choses en peu de temps. Alors, il y a une grande marche pour soutenir un ministre. D'habitude, en Afrique, c'est pour soutenir le président en place. Et là, c'est pour soutenir un ministre de la Justice qui est devenu que presque une star. C'est celui-là, cher compatriote Constant Mutamba. Mais malheureusement, cher compatriote, ses ennemis l'ont empoisonné et en ce moment, chers compatriotes, il se trouve au Cuba où il a été évacué pour des soins intensifs. Peut-être qu'on a trouvé que gardant dans les hôpitaux de la place, ça ne suffisait pas. Si il a été évacué vers le Cuba, un lieu sûr, parce qu'on craignait peut-être en Europe, les ennemis peuvent suivre jusque-là. Et voilà, il est au Cuba, hein, chers compatriotes. Voilà, ça, c'est un sujet dont on va parler. Il y a Tina Salama, la porte-parole du président de la République. Elle contredit le média sénégalais qui publiait que le président Félix Tshisekedi aurait nommé Karim Wade comme son conseiller privé. Oui, on peut dire que c'est vrai et que c'est faux à la fois. Donc, ces médias-là se sont trompés parce que nous avons relayé la même information. Plusieurs autres médias avaient relayé la même information. Mais c'est une information mal interprétée. Selon la porte-parole du président de la République, Tina Salama, Karim Wade représente un investissement du Qatar. C'est ce qui explique sa présence en République démocratique du Congo. Le troisième sujet, ce sera la rencontre de Luanda avec les ministres. Il paraît que le M23 s'est rendu également là-bas. Mais la réponse de la RDC, elle est toujours non et jamais, jamais. Et ça, c'est le mot du président de la République. Je vais vous remettre un petit extrait de vidéo dans laquelle il parle avec colère là-dessus concernant le M23 RDF et consorts. Voilà, chers compatriotes. Eh bien, nous allons bientôt commencer, je peux commencer par la queue. Je vous ai dit juste bonjour en français, mais na kokipe kopesa bilombote na Lingala, mbote na bilombo subandeko ba wazalendo, po tozali na periodo ya bitumba. À propos pe ya bitumba wana, donc tous allipés
qu'ont remporté ma victoire rébellée en ce moment. Eh oui, nous avons récupéré beaucoup de villages, chers compatriotes. Moi, nous bonsoir, banane batéléji, ba moi couloir chiluba. Nawa salimia, nignoté, wa sigilizaji, wa lugala kiswahili. Bampagina betu. Betu ke pesa benu mbote. Le matin ou le soir. Moyanyu ana sankuru ana manyema ana lingo. Aussi, vous êtes les nôtres. Eh oui. Eh bien, chers compatriotes, nous retournons à la langue de Molière, qui est notre langue officielle, la langue de la francophonie, que tout le monde peut entendre, que les panafricains aussi, qui nous soutiennent, peuvent écouter. Voilà, je commence par vous montrer une manifestation des Congolais, de nombreux Congolais, qui manifestent pour un ministre. C'est du jamais vu depuis le président Kasa-Vubu, le premier ministre Patrice Emery Lumumba, depuis Mobutu, depuis tous les autres. Je ne vais pas citer leur nom parce que leur nom. Un nom est sale. Oui. Un nom est sale. Un autre nom est à moitié sale. Oui, Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui est venu avec les Rwandais. Bon. C'est le destin. C'était la façon que ceux qui étaient puissants à cette époque-là ont trouvé cette façon-là pour chasser Mobutu. Ils se sont servis du Rwanda en utilisant Laurent Désiré Kabila, qui s'est réveillé tard. Il était tard. Et il a été assassiné. Et l'autre, Joseph Kabila, son nom est très sale. Très sale. Autour de ce nom, vraiment, si on ouvre vraiment l'intérieur de ce nom, on ne va voir que du sang, des tueries, des crimes, et de sang, des crimes économiques. Le pillage du Congo, c'est pour ça que je dis ce nom-là est sale. Mais je l'ai quand même cité pour que vous compreniez. Voilà, c'est du jamais vu. Le ministre a voulu mettre de l'ordre dans la justice et dans beaucoup de domaines aussi de son ressort. Mais les membres de ce gouvernement, les membres du pouvoir. Bon, nous savons qu'il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et on peut commencer par le pouvoir judiciaire, qui ne l'a pas caché. Un syndicat de magistrats se sont opposés à lui. Et même la première ministre lui a dit, mais non, monsieur. Le ministre de la Justice, il faut vous concerter avec vos collègues du Conseil supérieur de la magistrature. Ben, mais un magistrat suprême l'a nommé ministre de la Justice. Oui, c'est lui le magistrat suprême. Oui, il se basait sur ça pour dire qu'il peut donner des injonctions à des procureurs. Et voilà, ils l'ont combattu, ils l'ont empoisonné même. Et il y a un autre qui est soupçonné, un directeur général de l'ONATRA, parce que c'est à eux que profite ce crime-là. Oui. C'est à eux que profite ce crime-là. Et aux juges mafieux qui inventaient, qui créaient des délits, qui créaient des dettes,
que des sociétés comme le natural leur devaient. Eh oui, toujours des magistrats. C'est lié à cette affaire-là du directeur général de l'ONATRA qui a sorti 7 millions de dollars pour le corrompre. Oh, nous vivons comme ça depuis longtemps, nous faisons ça, nous créons une situation. Écoutez, il y a 48 millions à faire payer l'ONATRA aux avocats ou aux juges, mais c'est du faux, c'est du montage. Prenez 7 millions et vous nous laissez tranquille, vous entrez aussi dans le club. Lui, il a dit non, pas question, gardez vos millions. Eh bien, j'instruis un magistrat ou un procureur pour vous mettre en prison. Et ce fut fait. Il croupit en prison pour l'instant. Et quelques jours plus tard, le syndicat des magistrats a levé le ton pour lui dire, oh, écoutez, vous êtes un populiste, vous voulez vous rendre populaire, vous voulez devenir une star ou être connu, et voilà. Ils avaient peut-être ses raisons, mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il fallait le faire. Eh bien, arriva ce qui est arrivé. Il a été empoisonné. Et avant d'être empoisonné, ses membres du bureau, une douzaine de personnes, ont été également testés positifs au poison, mais il paraît que son poison à lui. Il était peut-être plus fort parce que nous avons appris que sa santé se détériorait. Il n'a même pas participé à un conseil de ministres. Eh bien, le peuple a protesté. Le peuple a protesté parce que le peuple savait que c'est ce ministre-là qu'il nous faut. Il était en train de mettre en pratique la vision du président de la République de restaurer un état de droit. Et voilà ce qu'ils lui ont fait. Eh bien, je vous montre la manif, vous allez vous étonner parce que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la RDC. Eh bien. Thank you.
Thank you.
Voilà, chers compatriotes, vous avez assisté à la marche pro-Mutamba. Donc, c'est le peuple congolais qui est en train de soutenir le ministre de la Justice pour ses prouesses. Le peu de temps. Je m'excuse. Le peu de temps qu'il a été nommé. Donc, il a fait des choses tellement visibles que ça a énervé les corrompus, les détourneurs de millions, les mafieux, les magistrats mafieux, et qui lui ont fait ce mal, que vous avez vu. Eh bien, nous passons aussi à un titre qui a fait le tour de la planète, c'est-à-dire la nomination de l'ancien ministre sénégalais Karim Ouad, lui-même fils de l'ancien président du Sénégal Abdoulaye Ouad. Un média sénégalais aurait publié que Karim Ouad avait été nommé par le président Félix Tshisekedi comme conseiller privé. Et pas seulement ce média-là, ça s'appelle Afrique. Afrique, je ne sais pas comment, point com, hein, donc au Sénégal. En France aussi, ils ont publié là-dessus, mais il se fait qu'ils ont mal interprété. Ils ont mal interprété la présence de Karim Ouad en RDC. Eh bien, je vais vous montrer la preuve. C'est la porte-parole du président de la République, la porte-parole Tina Salama sur son compte X.com. Ex-Twitter.com. C'est elle qui a fait cette publication-là. Nous en avons la preuve. Eh bien. Je vous montre cette preuve-là, chers compatriotes. Voilà, je vais devoir agrandir ça, chers compatriotes, parce que c'est trop petit. Oui. Voilà, vous pouvez voir ça. Oui. Je vais essayer de remplir. L'écran, c'est plus visible comme ça. Voilà la photo de Tina Salama. Tina Salama. Au moment où j'ai vu ce texte, ça faisait 6 heures que cela avait déjà été publié. Donc, je tiens à porter à l'attention de l'opinion nationale que M. Karim Ouadé n'a jamais été nommé par le président de la République, et ce, à quelque fonction que ce soit. Sa présence en RDC est justifiée par le fait qu'il a en charge un fonds d'investissement qatari pour l'Afrique. Eh oui, X.com bar Voice of Congo. Voilà. Bon, mon y provient voilà. Donc, Karim Ouad Azana Congo, Yemutu, Azali Namutu, il y a fonds ou un investissement, bah, Qatari. Donc, bah, de quoi il y a Qatar, bah, il y a quoi investir dans Congo, Yemutu.
Azali co-dirigeait Fonwana. Ce qui va causer la nini détail Naza na Yangote, chers compatriotes. Voilà, donc ça rectifie la publication que nous on avait fait, que bon, nous avions aussi relayé. Ben, désolé, mais l'information n'est pas fausse à 100%, mais ça a été mal publié, mal interprété. Il est là, oui, mais parce qu'il est à la tête d'un fonds d'investissement du Qatar. Voilà. On va pas tarder à finir. Maintenant, Bandeko, Makambo, Yezalina, Luanda, ba Congolais, Balingiangote, Batia M23, Bakei, Kuna, Balobi, Bangopo, Balongwa, na Bisika, Bazaliwana. Donc, il faut ça la dialogue, na dialogue guana. Donc, ça la brassage, ça la mixage. Et il parie Balingipé, service, il y a Aner, Bango va participer, mais Bango diriger Yango à partir du Rwanda, ce que j'ai entendu. Voilà. Il se fait que, apparemment, ils vont pas quitter la RDC. Donc, c'est des RDF qu'on appelle M23 ou AFC. Mais nos Oisaliens sont braves, avec les FARDC aussi. Ils sont en train de les faire sortir de force. Donc, commis déjà aux alentours de la ville de Kichanga, récupérer localité importante, et ça, ébélé, mais oui, les alliés importants, qui beaucoup plus, les amoureux dans ces environs-là. Et maintenant, ils sont en train de faire en sorte qu'ils puissent les faire déguerpir de Kichanga. Voilà, chers compatriotes, et pour confirmer qu'il n'y aura jamais de dialogue avec le M23, je vous fais écouter ce que le président de la République, un extrait du président de la République sur Top Congo FM. Permettez-moi de chercher cet extrait-là. Je vais vous mettre ça. Vous allez vous étonner. Oui, c'est ça. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier. Vous avez raison. Parler avec le Rwanda pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si C'est clair et net, nous n'avions pas ouvert nos jamais. frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a Pas de permis négociation. que parmi les fugitifs. Écoutez-moi bien. Jamais. Au grand jamais. Au grand jamais. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit,
c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe. Qui aurait été. C'est clair et net. Nous n'avions pas confronté à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a. Pas de négociation. Que parmi les fugitifs. Je suis tellement en dièse, chers compatriotes, pas vous. On écoute encore. Écoutez-moi bien. Jamais. Au grand jamais. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFCRA ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été. C'est clair et net. Nous n'avions pas confronté à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a. Pas de négociation. Que parmi les fugitifs. Voilà, chers compatriotes. Nous avons terminé et je pense que nous pouvons terminer sur un pas de danse, pourquoi pas. Il y a de la joie parce que maintenant que nous sommes devenus puissants, derrière nous il y a la Chine, derrière la Chine il y a la Russie, derrière tout ce monde-là il y a le BRICS. Donc nous avons de la force, donc nous pouvons dire non aux Amerlocs. Nous pouvons dire non à la vieille Europe. Et voilà. Nous sommes puissants. Nous avons signé des contrats militaires, de coopération militaire avec la Chine. Et oui. Maintenant, nous sommes en force. Nous pouvons leur dire c'est terminé avec vous. Hein. Et nous avons déjà des missiles là à la frontière, hein, donc pointés vers l'Ouganda et le Rwanda. Et oui, chers compatriotes, je peux aussi vous informer que... Que quoi, chers compatriotes? Que... le général Daywell. Bana betu bonso, amanyanga na nabuli balunda, deleja elu sombilo ajiroro. Bana betu deleja ye, ya imachino kwego boko kanye yo. Bana betu deleja ye. Aujuki namtu akakwambulisha ujimwamule bujitu pamakaya eva jinanga chilelela jitu chamwene kanjitu kuja kwalwe oktavivi sumbule oda moi malu apashika yena kulonda wewe mulonda malu kwena mwakucha ni bantu chanyuwa magalala kulonda kwa malu sikumona makwavu ulelewa mashale dominika visungula bambika bongo ulele umwe Mama Brigitte, kabiji kalanga bukumba mwena kanyuka Ima tujile, ulele wantumba chakupela mariko vise Ima kona charote, tatu waka kwanga yebende Bana waka shala batangula ntawe Nushale nungwangana, numanye zambi wa misumba Bana vetu tele jaye, ya ima chino kwega bobo kanyeyo
Nous vivons dans un monde où nous allons nous voir.